yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte, j'ai 34 ans, oh je sais plus, je crois que oui, j'ai 34 ans, alors, j'ai accouché en même temps, entre temps, à peu près au même moment que mon anniversaire, avant une semaine près, et du coup j'ai tout oublié, je m'y fais pas à mes 34 ans. Bon bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler du système des enveloppes, donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir la vidéo juste ici, qui va t'expliquer ce qu'est le système des enveloppes et comment débuter. Ici, on fait le suivi. J'étais absente la semaine dernière. C'est un petit peu compliqué, voilà, l'organisation avec les trois enfants, etc. Là, on est bon, on est dans les temps. Il est 15h56, donc j'ai une petite demi-heure. Ça devrait le faire. Donc, on va faire ça tout de suite. On va essayer de pas trop tarder pour faire ce petit bilan. On va commencer, du coup, avec ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. Porte-monnaie qui est disponible sur AliExpress pour, avec les enveloppes et des étiquettes pour moins de... entre 10 et 12 euros je crois, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, les liens sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors on va ouvrir ceci et ouvrir ceci. Alors on va essayer de faire tout cadrer parce que vous avez vu il y a eu des petits changements puisque je tourne sur ma table basse du salon puisque ma pièce est actuellement en travaux. Alors concernant les dépenses CB, parce que oui, tout ce qui est alimentation, dépenses CB et transport, je fais ça en carte bleue et après tout le reste est en espèces. Voilà, parce que ne pas utiliser la carte bleue à 100%, moi je n'y arrive pas. Et donc c'est comme ça que je m'organise, mais vous faites comme vous voulez. Il y en a qui font 100% carte bleue, il y en a qui font 100% espèces. Moi, je suis entre les deux. Donc dépenses CB, cette semaine j'ai dépensé Action 23,60€. Voilà. J'ai acheté des bricoles, des petits trucs à manger, à grignoter pour les enfants et des petits jouets. Bref, on a fait un tour là-bas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook puisque je vous partage du coup mon quotidien ainsi que mes dépenses. Et voilà, puis on discute ensemble. Voilà, c'est plus facile aussi pour moi de parler avec vous par ici. Donc surtout, n'hésitez pas. Ensuite, alimentation. On a dépensé du coup 7,75€ à la boulangerie et 115,10€. Pardon, à Carouf. Hop. Donc ça fait 122,85€ de dépenses en alimentation. Au niveau de santé, mon mari l'a dépensé une vingtaine d'euros à la pharmacie. Bah, du coup, il n'y a plus rien ici. Par contre, il reste 20€ ici. D'ailleurs, je vais remettre un petit peu. Je vais remettre juste 10€ dans mon enveloppe pour la semaine. L'enveloppe santé, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit jamais vide parce que des fois, enfin ça m'est arrivé plein de fois que je me dise oh, faut... ah ben d'ailleurs je viens de penser, faut que j'achète de la biceptine, donc voilà, au moins j'aurai les sous sur moi. Hop, et j'aimerais bien y aller tout à l'heure parce que je voudrais désinfecter mon piercing. Bref, donc 20€ de dépenses pour la pharmacie. Qu'est-ce qu'on a acheté déjà, je ne sais plus. Doliprane, ah oui, j'ai acheté un vaccin et bon je sais plus quoi. Bref, transport. Mon mari a mis 20€ dans la Dacia, donc du coup le budget essence il n'y en a plus, moi aussi les 100€ sont partis. Et animaux, il ne s'est rien passé cette semaine, donc il reste toujours, j'avais mis combien de baisse, on avait mis 100 et il reste 70, voilà. Loisirs, il y a 50€ qui sont partis dans les restos, donc il reste 50€ en espèces. Et en restaurant, oui parce qu'on n'avait plus de sous en restaurant, voilà, les 60€ sont partis assez vite parce que c'est vrai qu'on a fait plusieurs fois des restos, on a profité que les enfants soient pas là pour se faire un petit repas télé avec mon mari, voilà. Bref, des 50€ sont partis et les 60€ de restaurant aussi, donc il reste 50€ en loisirs. Ah, j'ai la petite à côté de moi, donc si jamais vous entendez pleurer, il va falloir que j'arrête la télé. Oh, mon poupoute. Mon bête. Hop, donc mode, il n'y avait rien. Beauté, 100€, ils sont tous partis dès la première semaine. Anniversaire, il n'y avait rien. D'hiver, il me reste toujours. Ils sont toujours là. Alors, resto, vous voyez bien, il n'y a rien. Gift, c'est en fait, c'est loisir, il n'y a rien. Et d'hiver, il me reste 20€ là. Hop, je suis demandée quelque part, je reviens. Bon, alors j'ai dû prendre Poupette sur moi, donc je suis plus qu'à une main, j'espère que ça va aller.
Alors, divers, donc je disais, il restait 20 euros. Maëlle, j'ai dû prendre 10 euros. Ah, ça fait penser, j'ai oublié de mettre 10, d'enlever 10 euros aussi par là-bas. Bon, bref, je vais corriger ça après. J'ai pris 10 euros dans son enveloppe parce que je lui ai acheté des chaussures et je savais pas où prendre les sous. Donc, j'ai pris 10 euros dans son enveloppe et 10 euros qui restaient dans mode. Et il me semble que j'ai oublié de l'écrire là-bas, mais il faudra que je le rajoute. Nathaniel, je n'y ai pas touché à son enveloppe. Lélé, je lui ai fait son enveloppe. Hop, regardez. J'ai découpé une partie qui était en deux. Hop, comme ça au moins, et je l'ai rajouté derrière les garçons. Bon voilà, je suis contente de moi. Parce que ça peut se découper très bien aussi en deux si vous avez qu'une enveloppe, bref. Ensuite ici, il ne s'est rien passé de plus. Ensuite du coup, pour les épargnes, défi 5 euros, j'en ai pas plus que ça. Épargne du mois, j'ai pas plus que ça. Monnaie pareil, et en vente bonus sur eBay Club, j'ai touché 7 centimes en plus, donc je suis à 19,78€ sur eBay Club. Donc eBay Club qui est une application de cashback, surtout n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi j'utilisais beaucoup parce qu'on peut utiliser du coup les supermarchés, hypermarchés, etc. Donc j'utilisais pour mon alimentation. Voilà, donc ça faisait que j'achetais en bon d'achat mon alimentation et je recevais du coup un pourcentage de cashback. Donc c'était très intéressant. N'hésitez pas à télécharger via le lien et de voir un peu parce qu'il y a, plein d'enseignes. Je crois qu'il y a même AliExpress, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut être très intéressant. Et enfin Etsy, pareil, j'ai ma boutique Etsy où tout est en version numérique à petit prix, tout est à 1€ mis à part l'agenda que je vais vous montrer après, mon agenda budget intemporel qui est à 10€, sinon tout est à 1€, donc n'hésitez pas, tout ce qui est fiches, défis, etc. etc. Donc voilà, si ça jamais ça vous intéresse, donc je suis à 6,32€ sur Etsy. Voilà, ça fait 6,35€ en tout parce que j'avais 3 centimes dernièrement. Ça va aller ma chérie, ça va aller. Hop. Alors, donc ça c'est bon. Hop, c'est tout à une main. Moi je vais devoir faire une pause, je pense. Hop. L'agenda budget, donc comme je vous ai dit, disponible à 10€ en format PDF. Il est intemporel, hein, vous pouvez vous commencer n'importe quand. Vous avez au début les explications de ce qu'est le système des enveloppes et des conseils, etc. Voilà, attendez. Hop. Bon, voilà, j'ai réussi à la calmer. Donc je vous disais, donc il y a les explications de ce qu'est le système des enveloppes, comment faire remplir son budget mensuel, vous avez vraiment de tout, des conseils pour économiser, etc. Au début, vous avez la vue sur l'année, la vue sur les épargnes et les dépenses mensuelles, les anniversaires, les courses à points et une petite liste de courses que vous pouvez très bien détacher. Enfin, vous ne l'avez pas avec les anneaux, donc vous pouvez très bien la plastifier pour l'utiliser. Hop, ce n'est pas daté, donc vous pouvez le faire n'importe quand. Hop, et... on va arriver, excusez-moi parce que je suis du coup tout à une main, je remplis plus moi par mois, j'ai la flemme. Je crois que je vais pour l'année prochaine je vais revenir à l'essentiel parce que vraiment j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps d'écrire partout. Donc on va aller au plus simple, je suis toujours au plus simple. Alors là, il faut que je rajoute quelque chose. J'ai oublié d'enlever 10€ de mode. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de l'enlever, donc on va le rajouter de suite pour éviter d'être faux dans les calculs. Donc, hop, on va le mettre là. Mode, oh, 10€. Donc ça fait 166. Voilà. Donc ça fait, pardon, 266,45€ de dépenses pour cette semaine. Voilà. Et au niveau des épargnes, on est à 6,39€ du coup d'épargne entre les 6,32€ de mes ventes et 7 centimes de cashback. Voilà pour moi cette semaine. Écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Vous avez vu, c'est un petit peu compliqué. Ah ouais, je vous ai pas fait, c'était sur deux semaines normalement. Bon, la semaine dernière, je peux vous le dire ici, nous avons dépensé 292,58€ et en épargne, on a 13,46€. Voilà, hop, comme ça là, on est juste. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Combien de temps il reste? Eh ben, il reste encore une semaine. Enfin non, cette semaine-là. Attendez, je suis perdue. On est sur le combien? Le 25. Ah oui, donc c'est la dernière semaine, excusez-moi, c'est la dernière semaine de septembre, donc du coup on se retrouvera la semaine prochaine pour le bilan du mois, donc que je vous ferai lundi premier,
normalement si tout va bien, hein, parce que bon voilà, c'est compliqué, on fait ce qu'on peut. Donc hop, voilà pour moi, je vous fais plein de gros bisous encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai des nouveaux projets qui sont pas en rapport avec le système des enveloppes, il est vrai, des nouveaux projets concernant la beauté principalement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, et si vous aimez bien ma personnalité, pourquoi pas, n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, ciao.